Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Après les Jeux équestres mondiaux, le grand rendez-vous pour tous les passionnés d'équitation avait lieu ici, à Fontainebleau, sur le Grand Parquet, pour la grande semaine de l'élevage. Comme chaque année, les finales de cycle libre et de cycle classique de saut d'obstacle avaient lieu ici pendant 7 jours au lieu de 9, une grande semaine un peu écourtée cette année à cause des Jeux équestres mondiaux. Mais en tout cas, tous les professionnels se sont donné rendez-vous ici et on commence tout de suite cette émission avec les résultats de cette grande semaine. Comme chaque année, jeunes championnes et jeunes champions ont donc encore été sacrés sur le grand parquet. C'est donc parti pour une revue des troupes des meilleurs élèves de cette promotion 2014. La génération des 4 ans a vu la victoire d'Action de Brillant chez les juments, montée par Victor Laudet, tandis que Andiamo Semilly l'emporte chez les mâles et ongres avec Olivier Martin. Diamant de Semilly a d'ailleurs deux produits victorieux, puisqu'outre cet Andiamo, il est aussi le père de l'une des championnes des 5 ans, Vertu Ménil-Jean. Mais cette jument montée par Félicie Bertrand se voit partager son titre avec une fille de Contender, Very Nice de Talma, sous la selle d'Alexis Borin. Toujours chez les 5 ans, mais chez les messieurs, c'est Verbois des Monceaux qui l'emporte, piloté par David Estorghelli. Chez les 6 ans, le championnat est remporté par Urdi d'Astré du côté des mâles et ongres sous la selle de Pierre-Marie Friand. Et chez les femelles, c'est une des filles d'ULM qui l'emporte, pur produit de la maison Joanneto, puisque cette fille de Happy Villers, Ululu, sort victorieuse de sa génération avec Franck Van Krayoling. Enfin, chez les 7 ans, on attendait beaucoup Timon d'Or, le champion des 6 ans de l'an passé, leader jusqu'au dernier parcours. Mais une chute de son cavalier en fin de parcours l'empêche de réaliser le doublé. Et après plusieurs bouleversements dans ce championnat, c'est Cocorico, un fils de Corland, qui l'emporte avec Axel Van Collen. Et on profite de notre présence ici au Grand Parquet pour parler d'un cheval qui a marqué les Jeux équestres mondiaux, mais aussi cette grande semaine de Fontainebleau il y a quelques années. C'est bien sûr Orient Express HDC. André Chenu, bonjour. Bonjour. Orient, c'est forcément un cheval que vous connaissez par cœur. Très bien. Parce que vous l'avez eu tout petit. Il n'est pas né chez vous, il est né chez Patrice Bourreau, mais vous, vous l'avez eu à l'âge de 3 ans. Moi, je l'ai eu à 3 ans et demi. Patrice est l'éleveur qui l'a élevé. Et il me confie tous ces 3 ans et demi que j'essaie. Et à 3 ans et demi, il m'a amené le cheval, donc on l'a fait sauter en liberté. Au bout de 8 jours, j'ai dit là, on tient un crack. Et pourquoi ? Il avait beaucoup de frappes à l'obstacle, des gros moyens, du cœur, c'est un guerrier. Alors, ça veut dire que toutes ces qualités, on les retrouve encore aujourd'hui ? Exactement, c'est un guerrier le cheval, il est très quick star, très guerrier. Quand il est arrivé chez vous, c'était un petit cheval déjà à l'époque. Oui, oui, oui. Patrice Bourreau nous a dit que c'était un petit papa comme ça. Oui, 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 un petit boulot. Mais un petit athlète quand même. Et comment vous avez procédé avec lui justement pour l'amener? Parce qu'il a fait ce circuit justement SHF, il a fait les jeunes chevaux, il a d'ailleurs gagné les 6 ans ici. Il a fait tout le circuit SHF, donc on l'a débourré. Le cheval n'était pas plus facile que ça quand même. Parce que pour monter, il avait peur de l'homme, c'était un lion. Et donc après, on l'a débourré, c'était très bien. Et puis il a suivi le cycle classique normal. 4 ans, il était à la finale, il avait tout sans faute, il a fait 4 points ici. Oui. Et puis 5 ans, presque tous en route, je ne sais plus combien il a fini. Il a gagné la finale des 6 ans. Et puis à 7 ans... Il est aussi sur le podium à 7 ans. Voilà. Et à 7 ans aussi. Le cheval n'a jamais déçu. Il a toujours sauté étape. Il n'y a jamais eu un mauvais parcours sur le cheval. Mais justement, quand vous dites c'était un lion, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou compliqués ou on doute dans ces cas-là on n'a jamais douté parce que le cheval, c'est un feignant. Au travail, c'est un feignant. Donc encore comme il est aujourd'hui, comme Patrice peut le dire. Oui, c'est un feignant, c'est ce que j'avais dit à Patrice quand il a essayé. J'ai dit, le cheval, tu le travailles, il dit, j'ai dit, c'est un feignant. Seulement, dès que tu vas sauter une petite croix, tout de suite, il y avait l'influx, c'était plus le même cheval. Moi, je l'ai vendu à début d'année de 9 ans à Emmanuel et Armand. Ils connaissaient parfaitement. Ils ne voulaient même pas l'essayer. Ils voulaient l'acheter sans l'essayer. Je dis quand même que Patrice monte dessus. Donc, un dimanche matin, dans la discrétion, il est monté dessus et puis ça s'est très bien passé. Mais comment ça s'est passé justement? Quand vous dites dans la discrétion, ça veut dire quoi? On n'a pas l'habitude de ça. Il n'y avait personne parce que le cheval, on me l'avait demandé, j'ai toujours refusé de le vendre. J'ai dit même pas annoncer des prix. J'ai dit non, le cheval n'est pas à vendre, je voulais aller jusqu'au bout un peu. Je voulais faire une bonne partie. Et puis à 9 ans, j'estimais qu'il avait fait des 2 étoiles, il avait gagné beaucoup le cheval. J'estimais maintenant qu'il fallait qu'il passe le cap. Et alors, justement, il a passé le cap avec brio, il a gagné
de nombreux grands prix. Dès que Patrice l'a eu, il a gagné beaucoup. Ouais. Il a gagné tout de suite avec. Il a gagné tout de suite le cheval. Et vous pensiez qu'il allait arriver jusqu'aux Jeux mondiaux Non. Mais je savais que c'était un cheval de 5 étoiles, et puis, qui était respectueux, beaucoup de technique et de beaucoup de frappes qu'on ne reconnaît pas dans beaucoup de chevaux. Et comment vous avez vécu, vous, justement, cette deuxième semaine de Jeux équestres mondiaux avec ce cheval qui était dans l'arène, très applaudi? Est-ce que vous étiez sur place d'abord? Ah oui, j'y suis allé tous les jours. Alors? À part le premier jour à la chasse que j'ai vu à la télé, mais sinon, oui, j'étais tous les jours. Oui. Comment vous avez vécu ça, vous? Ben, extraordinaire, parce qu'il n'a pas touché de barre. Et il était, le samedi soir, il était champion du monde. Non, mais il a sauté formidable, le cheval, avec Patrice. Il a sauté super, le cheval. Et même à la finale, moi, j'étais juste à 15 mètres du parc à moutons. Le cheval a bien sauté avec les cavaliers du Belle Dame. Il a sauté extraordinaire. Oui, le cheval s'est bien comporté donc du début à la fin du championnat sans aucun problème. Je croyais qu'il chauffe un peu, mais bon, moi ça fait 3 ans qu'il est vendu et le cheval a pris de la maturité. Ah. On a vu Patrice Delavaux un peu déçu, évidemment, le coup en tout cas, parce que ça s'est joué à quelques centièmes de seconde. Est-ce que vous pensez qu'au barrage, il aurait pu le battre? Alors là, c'est sûr, parce que je pense que le cheval du Belle Dame, je ne connais pas, mais je l'ai vu, je pense qu'il était assez délicat. Et Patrice lui mettait 3-4 secondes, ça c'est sûr. Connaissant Patrice, c'est sûr. Bon, alors, il y a eu Orient pour vous ici. Vous êtes sur cette grande semaine tous les ans, avec des chevaux tous les ans. Cette année, vous en avez combien, par exemple? 5. 5 chevaux. C'est quoi votre politique, justement, par rapport aux jeunes chevaux? C'est d'en amener le plus possible Pas du tout, pas du tout. Moi, j'amène les chevaux, les bons chevaux. Les chevaux, vous continuez à en élever, vous allez continuer encore longtemps, André? J'espère. Qu'est-ce qui vous tient? Ben, j'ai toujours fait ce métier-là, j'ai eu des grands chevaux quand même, j'ai monté en concours en internationaux. J'ai eu des grands chevaux, j'ai eu Apedoumi, j'ai eu Krishna, ma femme Annie qui a eu Intrépide du Vallon, qui avait gagné le Global Tour en Italie. On a toujours eu des chevaux de Grand Prix, il n'y a qu'en ce moment je suis en train d'en former. Bon, donc la formation c'est primordial de toute façon quand bien on fait sûr, ce métier. Un cheval débuté, bien débuté, qui est franc bien dans la tête, après ça va toujours s'il tombe sur le cavalier. Bon, ben, on espère que vous trouverez d'autres cavaliers en tout cas pour emmener vos chevaux au plus haut niveau, merci beaucoup. Et merci. Nous, on va continuer maintenant de parler de formation ici à Fontainebleau, puisque Solène Lavenue a rencontré plusieurs cavaliers qui ont l'habitude de venir à Fontainebleau et ils nous parlent de leur méthode pour former ces jeunes chevaux. Former un jeune cheval, c'est tout un art. Et ici, certains sont très doués en la matière. Ils emmènent souvent beaucoup de jeunes chevaux à Fontainebleau, preuve de leur sérieux et de leur régularité au fil des saisons. Des qualités pour bien préparer un cheval, il en faut, mais une revient toujours en avant. La première chose, c'est de toute façon d'être à l'écoute de lui, quoi, au niveau de sa mécanique, sentir son évolution, le mental, déjà bien savoir qui il est. Et puis après, le faire évoluer à son rythme sans vraiment le bousculer, quoi. Je pense déjà être travailleur, quoi. Bien toujours répéter les mêmes choses, que ce soit clair pour le cheval. Beaucoup de calme, de patience et puis d'écoute. Il n'y a pas de schéma type. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui marchent surtout au moral, qui sont doués, qu'on essaye juste de garder en condition, qu'ils n'ont pas forcément besoin de sauter. Au contraire, il y en a d'autres qui ont besoin de régulièrement sauter. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être travaillés fortement sur le plat, un petit peu usé pour qu'il soit bien relâché en concours, d'autres qui n'ont pas besoin, donc il n'y a pas forcément de schéma type. Il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Le secret, avant tout, c'est déjà la matière première, donc le cheval. Si on a des bons chevaux, c'est forcément plus facile. Et puis du travail pour leur faire comprendre un petit peu comment faut faire, ce qu'il faut faire. Ces trois cavaliers ne sautent que très peu avec les jeunes chevaux à la maison pendant la saison de concours. Et s'ils sont dans la lumière pendant la grande semaine, ils sont souvent dans l'ombre. Le résultat en concours, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ce qui est intéressant et important, c'est de faire le gâteau. Et tout ça, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc il faut aimer ça, quoi. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus un peu compétitifs. Là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on amène le cheval après à faire du sans faute, on amène le cheval à la finale. Il faut aimer vouloir faire ça. Mais personne n'a la recette miracle pour faire ce fameux gâteau. C'est le résultat de plusieurs années de travail et de connaissance de leur monture. Et l'on retrouve beaucoup de modestie dans les discours. Je pense que quand on est cavalier de haut niveau, il faut être très très rigoureux. Parce que c'est quand même un domaine de précision, tant sur les soins, sur les abords. Nous, on peut être un peu plus élastique. Et ça me convient très bien. Je suis pas trop ordonné, je suis assez tête en l'air. Donc
Et justement, les jeunes chevaux, ça, ils me le pardonnent facilement. Ce qui est primordial, c'est d'être assez proche d'eux, quoi. Il faut être souvent avec eux parce qu'au bout du compte, ils font 23 heures de boxe. En tout cas, nous, les jeunes chevaux, ils sortent une heure par jour. Et je tiens à ce qu'ils sortent au moins une heure par jour. Et pendant la période estivale, ils vont, on va dire, 3 heures au paddock par jour, chacun. Bien préparer un cheval et le rendre mature prend aussi beaucoup de temps. Tous sont déjà repartis dans leurs écuries et vont très vite s'atteler à préparer les futurs cracks de demain. Et on va quitter Fontainebleau maintenant et même traverser l'Atlantique direction le Canada et Calgary pour une étape du Rolex Grand Slam. Une étape sur laquelle on a retrouvé plusieurs cavaliers qui étaient présents aux Jeux équestres mondiaux et qui ont même abandonné les Jeux équestres mondiaux pour aller courir cette étape. Ont-ils eu raison ? La réponse en images. Certains ont peut-être bien fait de quitter la Normandie pour rejoindre le Canada enneigé. C'est surtout le cas des Canadiens, malheureux aux Jeux mondiaux, heureux à domicile, puisqu'après avoir remporté la Coupe des Nations de samedi, c'est tout simplement Captain Canada qui a fait vibrer son public. À 67 ans, Yann Millar gagne ici pour la troisième fois. En selle sur Dixon, le doyen de l'épreuve était au barrage face à l'une des Benjamines du circuit mondial, l'américaine Reed Kessler. À 20 ans, elle signe une très belle performance, elle aussi, alors que ces derniers temps, elle manquait de réussite. Mais c'est ici l'expérience qui a payé. Côté français, le réserviste des Jeux mondiaux, Jérôme Hurel, a encore montré de très belles choses sur la piste de Spruce Meadows et prend avec Quartz Rouge une très belle sixième place avec une seule faute en seconde manche. Le couple, très à l'aise, va certainement continuer à faire parler de lui. Autre Français en seconde manche, Kevin Stout prend lui la 9e place sur Estoyaki de Muse, HDC. Mais tous n'étaient pas à Calgary, d'autres avaient choisi Lausanne, ville du siège de la FEI, pour une étape du Global Champions Tour où, comme d'habitude, il y avait aussi beaucoup d'argent en jeu. Mais on retrouvait ici assez peu de chevaux qui étaient présents en Normandie la semaine dernière. C'est quand même un cavalier qui a jeté l'éponge à Caen qui l'emporte. Ludger Berbaum ne montait pas Kiara mais Shaman et s'impose devant un autre cavalier d'expérience, John Whittaker, deuxième avec Argento. Éliminé sur la chasse dans le stade d'Ornano, José Maria Larocca montait donc un Matrix très frais et l'Argentin prend ici la troisième place. Quant au vice-champion du monde Patrice Delaveau, il était ici le seul tricolore en deuxième manche et termine 9e avec Carigno HDC. Avec cette victoire ici, Ludger Berbaum prend la tête du circuit et détrône donc provisoirement le Suédois Rolf-Göran Bengtsson. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais bien sûr on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'Honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.